Salut. Tu es très belle, tu sais. Tu es française? Ah, c'est ça. Tu es étrangère. Je peux m'asseoir à côté de toi? Tu ne parles pas français? Do you speak English? Tu es anglaise. Américaine. No, Brazil. Brésilienne? C'est super, ça. C'est mon genre de chance. On m'a dit que les brésiliennes étaient des super cool. Ah ouais? Et on t'a jamais dit que la spécialité du Brésil, c'était le café? Hein? Ouais, c'est brûlant. C'est normal quand on aime bien jouer avec le feu. Regarde mon t-shirt. Ouais, il est aussi nul que toi. Elle est malade, cette fille, mon t-shirt. Oh, pardon! Vous êtes mal? Oh non, 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 ça va, ça va. Oh, vous avez des superbes chevilles. Vous n'avez pas cassé quelque chose? Non, non, tout va bien. J'adore regarder vos chevilles. C'est du cinéma, c'est ça? Non, non, mais quand je regarde une belle fille, j'ai envie de regarder ses chevilles. Ah, ok. Vous êtes folle! Ouais, chacun son fantasme. Moi, le mien, c'est de faire souffrir les petits vicieux comme vous. Mais ça fait mal? Ouais, mais tant mieux. Allez, au revoir. Vous savez que de dos, vous êtes très mignonne. Mais je me demande si je vais pas être déçue quand vous allez vous retourner. Oui, eh bien ne vous inquiétez pas, parce que je suis beaucoup trop belle pour vous. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment dommage pour moi. Oui, mais il faut pas faire de complexe quand même. Ah, vous aviez l'air tellement sûre de vous. Oui, mais tout le monde peut se tromper. L'erreur est humaine. Vous êtes bizarre. Ah bon? Pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas encore demandé de venir vous asseoir à ma table. Non. Alors, je peux m'asseoir à la vôtre. C'est quand même plus pratique pour parler, hein? Parce que vous avez quelque chose à me dire. Qui sait? Bon, vous m'offrez quelque chose à boire? Vous savez que ça ne se fait pas, mais... si vous voulez. Tiens, Sébastien, tu peux me passer la bourse, s'il te plaît? Ouais. Tiens, j'espère qu'il y en aura encore assez. Merci. C'est quand même incroyable ce que ça peut prendre comme poussière, ça, hein? Ouais. Dire qu'on respire ça tous les jours. Ouais, c'est terrible, c'est quand ça se met dans les circuits, hein. Voilà, bonjour. Bah ouais, c'est fragile, hein. Soit comme nous. Salut les petits clous. Salut le stick. Dis-moi, Christian. Tu donnes dans les expressions branchées d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu crois? L'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Ça va, toi? Super. Alors, on fait le ménage comme ça, hein? Bah, il faut bien un peu de temps en temps, hein. Ouais, ça nous permet de bien bichonner nos instruments. Tu le mérites, non? Regarde, Christian. Là, tu vas être content. J'ai astiqué ta batterie, mais regarde comme elle brise. Merci, merci. Ma petite fée du loup. Non, de rien, dans la maison. Ouh, je m'en sers autant que toi maintenant. Ah ouais, je m'aurais étonné, ça, je savais que ça venait pas du cœur. Enfin, t'avoues quand même que t'as énormément de chance d'être tombé sur quelqu'un comme lui. Mais je le savais. Au fait, Christophe, j'ai un truc super important à te dire, là. D'accord, bon, on va vous laisser. Non, 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 autant que vous le sachiez tous. Bon, comme tu veux. Voilà. Hier soir, j'ai parlé à Thérèse. J'ai mis les choses au point avec elle. Tout est fini entre nous. Pourquoi vous me regardez comme ça? Autant que les choses soient claires, non? Tu sais, Christian, c'est ton problème, hein. Ouais, bah maintenant, je me sens beaucoup plus léger. Et toi et Christophe, la voie est libre avec Thérèse. Ouais, mais je le savais. Elle m'a appelé ce matin. C'est vrai, t'as appelé ce matin? Bah, c'est super. Lali avait raison. Il fallait insister. Bah, moi, je serais toi et je l'inviterai à dîner ce soir. Bah, écoute, je voudrais bien, mais j'aurais du mal dans la mesure où elle est partie chez ses parents quelques jours, histoire de faire le point, quoi. Oh bah c'est pas grave, elle fait le point et puis elle revient. Et après, elle est folle de toi, d'accord? José, t'es malade ou quoi, toi? Non, pourquoi? Bah, je sais pas, depuis que je suis arrivé, tu m'as pas encore parlé d'Adeline, là. Tu sais, Adeline... Quoi, Adeline? Elle te fait plus rien, Adeline? Bah, si, si, elle est sympa, mais bon, je suis avec Bénédicte, tu vois, ça va bien, donc... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on revient dans le trip. Petit toutou, quoi. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça, l'amour? Ah ouais. Christian, on est garçons sérieux, tu sais. Nous, on a trouvé l'âme sœur, tout va bien. On n'a plus besoin de chercher.
Ah ouais, c'est mieux, hein, papa-maman, à la maison. Ah ouais, moi j'imagine difficilement une plus jolie maman qu'Hélène. Et c'est quand le mariage, hein? Et puis les quatre enfants, pour payer moins d'impôts, hein? La retraite au coin du feu. Peut-être un chic pour tracer un profil de l'amour, mais éblouissant. Qu'est-ce que tu crois? C'est ma spécialité. Hein? Alors, c'est réellement fini avec Adeline? Tu sais, Christian, quand une fille n'est pas amoureuse, ça ne sert à rien de s'obstiner. Ouais, enfin, moi j'aurais insisté un peu plus, hein. Puis si Adeline, ça avait pas été ma cousine, je crois que... Peut-être. Ouais, bah moi j'aurais bien aimé que ce soit la mienne. Bonjour. Je vous dérange pas, moi. Adeline, on parlait justement de toi, tiens. En bien, j'espère. Tu ne saurais imaginer. Alors, tu ne peux déjà plus te passer de... du groupe le plus génial de l'univers? Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? Non, en fait, c'est José, je suis venue voir. Salut. C'est le bouquin dont je t'ai parlé hier soir. Tu verras, il est génial. Merci, Adeline. Ah, parce que vous vous êtes vu hier soir? Mais non. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Bon, Lali, calme-toi. Tu vas nous faire une congestion cérébrale. Mais Hélène, tu peux pas savoir. Il est mignon. C'est vrai, j'ai jamais vu un garçon aussi mignon. D'accord, ça fait 4 fois que tu me le dis. Sinon, rien à voir. Il a des yeux. Oh, ses yeux. J'ai jamais vu des yeux comme ça. Et puis, il a une bouche, un nez, des cheveux sur la tête, c'est ça? Très drôle. Arrête de te moquer de moi, ça n'a rien à voir. Comment ça, ça n'a rien à voir? Parce que son nez, il est sublime. Parce que sa bouche. J'ai jamais vu une bouche aussi sensuelle. Et son sourire est... Ah! Ça y est, j'ai trouvé. Tu me parles de Nicolas, c'est ça? Nicolas, il est très très bien, mais Jacques... Ah, quand même, un petit renseignement, il s'appelle Jacques. Eh ben oui. Et tu l'as rencontré où? À la cafette. C'est lui qui m'a draguée. Enfin non, enfin c'est moi. Ouais, bref, ça n'a pas d'importance. Ah bon, parce que tu dragues toi maintenant? Habituellement, non. Mais alors là, il était tellement beau. Tout mince et tout. Oh. Bref, tu sais, c'est l'homme idéal. Tu plaisantes? Mais non, je plaisante pas. Il est génial. Et il est mieux que Sébastien? Ah ouais, Sébastien. Bah non, tu sais, ça n'a rien à voir, en fait. On se connaît pas encore très bien. Ah bon, ça me rassure. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est étudiant en lettres. Il est cultivé, il est... Oh là là, il est doux, et puis il a plein d'humour. Eh bien, les filles, vous faites de la méditation maintenant? Lali a décollé il y a 5 minutes, elle est en pleine ascension. Salut, Béné. Lali, comment il s'appelle? Il s'appelle Jacques. Il doit l'être nettement plus rusé que toi. Bah. J'ai toujours été en retard pour mon âge en ce qui concerne les garçons, désolée. Alors, il est comment? Alors, il est... Ah non! Ah, pas recommencer. Je vais te dire, il est beau, grand, fort, intelligent, c'est l'homme idéal, voilà. Mais tu l'as rencontré où? À la cafette. Et tu l'as pas kidnappé? Mais non, j'ai pas eu besoin. Mais non, parce qu'elle lui a parlé en plus. Oh! T'as parlé à l'homme idéal? Il a fallu qu'il tombe sur toi. Ah non, j'ai vraiment pas de chance. D'ailleurs, à ce sujet, les filles, j'ai un tout petit service à vous demander. Ah, ça y est, les dégâts vont commencer. Et... lequel? Ben voilà, il faudrait que vous m'aidiez à inventer une histoire à raconter à Sébastien. Pourquoi? Parce que ce soir, je dîne avec Jacques. Ça te fait quoi de voir que ton cousin est un dieu de la batterie? Je le savais. Eh, on est doués dans la famille, hein? Surtout moi. Me laisse avec ça. Non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est toujours les plus petits qui abattent le plus fort.
peu de respect, s'il te plaît. Ah non, non, continue, Adeline. Ça lui fait du bien pour une fois que quelqu'un remet sa place. Ouais, c'est ça. On parle d'autre chose, là, hein? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Ben... ce que vous faites, c'est pas mal, hein? Vous voyez, elle a du goût, ma cousine. Surtout le synthé, hein. Je trouve que José en joue très bien. Ah oui, elle a du goût. Merci, Adeline. On dérange peut-être, là, non? Attendez, attendez. Quelque chose là-dessous. Oh là, ça va pas, ce regard-là. Hein. Non, c'est pas cool, ça. Tu veux vraiment t'en mêler? C'est pas de ma faute, mais je m'inquiète pour ma cousine. Non, c'est vrai, quoi. Tu veux que j'annonce tes fiançailles tout de suite à la famille? Je vous fais marcher. José, c'est un copain, c'est tout. Hélas. Ah, bon. Ça va mieux, j'ai eu peur. Mais pourquoi? Je trouve que... ils vont très bien ensemble. Je trouve aussi. Dites-moi, il y a une question dans ma tête, là. T'es allé boire un verre, hein, ça, ça? En copain, je jure. Si je mange, je vais en enfer. Eh ben, alors du monde au portillon. Hein. Hey, rassure-toi, Christian, je n'ai pas touché à Adine. Enfin, si, si, ouais, une fois, ouais. Ouais, eh bien, je lui ai essuyé les petites chaussures parce qu'un idiot lui a renversé son verre dessus. J'espère que ça t'a plu, au moins, José. Tu ne peux pas imaginer, Adine. Dès que j'ai commencé à toucher tes chaussures, mon corps s'est transformé en boule de feu et mon cœur s'est mis à battre tellement fort qu'il a fallu que je tape dessus pour qu'il s'arrête. Ah, bah on dirait qu'il y a de l'ambiance ici. Ça doit être José encore qui a sorti une de ses petites blagues. Pourquoi tu dis ça? Parce que je te connais. T'es un vrai bout en train. Bonjour, Adine. Bonjour, les filles, ça va? Ouais, ouais. T'as pas dû t'ennuyer avec eux? Ah non, ça c'est vrai, on s'est bien amusés. Bah bonjour quand même. Ça va? Ouais. Toi aussi, ça a l'air d'aller très bien. Bah écoute, je vais pas me mettre à pleurer à chaque fois que t'es pas là, hein. Bah non, bien sûr, non. Mais attends, j'ai deux mots à dire à Adeline. Hein? Oh, je crois qu'il y a de l'orage dans l'air, là. Ça va? Béné, c'est ma cousine, hein, j'y tiens. Adeline, viens. Voilà. Est-ce que tu veux bien être ma meilleure amie? Ben, oui, si tu veux. Mais pourquoi? Voilà. Comme tu le sais, José est fou amoureux de toi. Alors, s'il me trompe, eh ben, je préférerais que ce soit avec ma meilleure amie. T'inquiète pas, hein, José, c'est pas du tout mon style. Hein. Par contre, je veux bien être ton amie. Ok, avec plaisir. Bon, bah, puisqu'on a évité le drame de justesse, je vous propose qu'on aille dîner tous ensemble, entre copains, ce soir. Mmh. Excellente idée. Ah ouais, mais là, il y a un problème, c'est pas possible. Oui, non, c'est pas possible, parce qu'on a prévu une soirée entre filles. Mmh. Bah, pourquoi? On est bien tous ensemble. Lélie, je t'ai pas vu de la journée. Ouais, mais tu sais, quelquefois, enfin, vaut mieux pas se voir trop, tu vois, sinon on risque de saturer. Bon. Bah écoute, moi, je suis très très loin de saturer. Oh, on sait jamais, hein. Et puis les garçons, c'est pas la peine de ramper à nos pieds. La décision est prise. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. On va draguer toutes les filles qu'on va trouver. Bah, pas de bêtises, hein. Des préservatifs. Toi, c'est assez âge. Et ne pense qu'à moi. Je sais pas. Lali, t'es sûre que c'est bien raisonnable que t'ailles dîner avec ce garçon? Bon, écoutez, les filles, je sais que c'est pas raisonnable, mais là, j'en ai vraiment trop envie. Bon, écoute, prends quand même une photo de Sébastien dans ton sac, puis tu la regardes de temps en temps pour pas faire de bêtises. Hélène, t'es vraiment une copine. Mais Hélène a raison. Au moins, avant de faire une bêtise, bah, tu pourras comparer. Mais écoutez, les filles, arrêtez de me faire rire comme ça, sinon je vais être en retard. Lali, je peux te dire une chose. C'est que pour un premier rendez-vous, il faut toujours arriver un peu en retard. Ça adore attendre, les garçons. Mais alors là, tu vois, j'ai plutôt envie d'être en avance. Ah zut, j'ai oublié. Bah, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vois, là, je me mets du vernis à ongles sur les pieds.
parce que tu comptes te déchausser. Non, pas tout ça. Bah, si tu te mets du vernis, hein. Mais c'est parce que c'est plus féminin, c'est pour que je me sente bien dans ma peau. Mmh. T'es sûre de ce que tu fais, quand même? Hélène, j'ai pas tellement envie de me poser des questions. Ouais, réfléchis quand même un peu, hein, la vie. Bah oui, c'est vrai, tu le connais à peine. Mais si je vais dîner avec lui, c'est pour mieux le connaître. Oh. Bah, sois prudente. Je suis plus une petite fille, d'accord, les filles? Bon, bon. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Béné? Bah, je sais pas. On peut peut-être aller se manger un hot dog? Bon, enfin, bref. Tu nous fais perdre une soirée avec les garçons, toi. Ouais. Écoutez, les filles. C'est pas la dernière fois que vous allez les voir, les garçons. Perdez rien. Et puis, c'est sympa de me rendre service, non? Ouais, ben, ramène-nous au moins une photo de lui, comme ça on pourra voir à quoi il ressemble. Ah, mais j'ai une idée. Pourquoi vous venez pas avec moi? C'est vrai, ça. Comme ça, vous allez le voir. Ben non, non, on va pas te déranger. Vous n'allez pas me déranger, c'est vrai. Venez, comme ça, vous le verrez. Ah ouais, super. Comme ça, si on rencontre les garçons, on aura droit à un super carton rouge. Mais pas du tout. On n'a qu'à dire qu'on prenait un pot tout ensemble et qu'on est tombé sur le cousin de Bénédicte. Ah, parce que Jacques est mon cousin. Oh bon. Marc, je suis tellement curieuse de voir la tête qu'il a. Moi, je suis d'accord. Bon, alors dépêchez-vous parce que sinon, je vais vraiment finir par être en retard. Bon, deux petites minutes, Lali. Bah pourquoi? Bah parce que nous aussi, on se fait belle, tu vois. S'il est aussi beau que tu le dis. Non, mais attends. Alors... C'est fini, oui? Bon, t'arrêtes de tricher, Christian? Tu dis ça parce que je gagne, classique comme astuce, pop, pop. Non, parce que tu as 10 lettres au lieu de 7. Quoi? Oh là, moi je me suis trompé. Ah ouais. Bon, oui. Encore un coup comme ça. Et on te fait jouer avec une seule lettre, alors c'est beaucoup plus dur. T'as vraiment tous les vices, toi, c'est pas possible, hein? Écoutez, je me suis pas rendu compte, ça arrive à la vie. Oh ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, on t'enlève 3 lettres. Et touche pas mes lettres, Sébastien. Je les enlève, mais je les choisis, d'accord? Mais tu rigoles ou quoi, non? Bon, allez, on lui enlève combien de points? Tu lui enlèves 50% de son total. Ouais. Vous êtes complètement fou, mais qu'est-ce qui va me rester à moi? Approximativement le double de ce qu'on a nous comme score. Alors attends, tu lui enlèves 80% de son total. Oh, j'ai pas triché à tous les tours, moi. Non, t'as triché plusieurs fois par tour. Moi, j'arrête de jouer, voilà. Oh. Alors, ça y est. Ah, monsieur est à égalité avec nous, alors ça y est, il veut plus jouer. Mauvais joueur. Non, c'est pas ça, bon, rien à voir. Non, mais j'ai pas envie de ressembler à un papy, c'est tout. On aurait pu trouver autre chose que de jouer au Scrabble dans cette chambre, hein, franchement. Mais ouais, ouais. Le cinéma, par Western. Non, 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 non. Allez voir les avions intérieurs à Roissy, il paraît que c'est super. Mais moi, je préfère attendre devant les portes pour voir sortir les hôtesses de l'air. C'est vrai, elles sont mignonnes, les hôtesses de l'air. Elles sont mignonnes, les hôtesses de l'air. Un fantasme de l'uniforme. Bon, allez, on continue. Je crois que c'est à moi de jouer. Remarquez, je commence à en avoir assez, moi aussi. Oh, non. Bah, je te comprends, hein. C'est là où on réalise. On prend vite l'habitude de passer toute notre soirée avec les filles, et oui. Ah, si vous saviez comme Lali me manque. Ah, bah, c'est sympa pour nous, ça. Bah, qu'est-ce que tu veux? Tu présentes pas les mêmes avantages. C'est vrai qu'on n'a rien inventé de mieux qu'une jolie fille pour passer une bonne soirée. D'où l'intérêt d'en avoir plusieurs, bah oui. S'il y en a une qui est pas là, on appelle l'autre. Eh ben... Pourquoi touche pas un REM? C'est le Pacha. Vous l'avez dit, la monogamie, c'est naze. Mais ça, vous vous en êtes pas encore rendu compte. Hein. Ça y est. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah. Vas-y. Regardez. M-O. Mo. N. Mo. O. Monog. A. M. I. Monogamie. Ouais, mais t'as pas le droit, parce que là, ça veut rien dire. Les filles, ça va? Moi, je sais bien, ma robe est pas trop froissée, ça va? Mais oui, ça va. Ouais, enfin bon, ça peut aller, quoi. Bon, quoi? Il y a un truc qui va pas? C'est louche, ça va pas? Mais si, ça va, t'es belle. Mais t'inquiète pas, Lali, les lumières sont baissées. Ah ouais, bah. Ça, vous êtes méchante, hein. Ah. Mais non, mais c'est toi qui es drôle. On dirait une petite fille de 15 ans à son premier rendez-vous. Bon, oui, mais c'est pratiquement la même chose. C'est vrai, c'est la première fois que j'ai rendez-vous avec un garçon aussi beau. Attends, Lali. Attends. Tiens.
C'est pas vrai, tu l'as fait. Écoute, Lali, si tu fais des bêtises, je préfère que ce soit en connaissance de cause. D'accord. C'est ça, les copines? Ouais. En tout cas, on est bien d'accord, les filles. Hein? Vous ne dites que des bonnes choses à mon sujet. D'accord? Promis, on mentira d'un bout à l'autre. Et puis, vous buvez un verre, vous le regardez, et puis après, au revoir. Hein? Ah, ça dépend. Hein. S'il est vraiment très, très beau, on verra. Hein? Quelle peste! Oh, c'est lui? Mais non, mais je t'ai dit qu'il était beau, mais là, t'as besoin vraiment d'une paire de lunettes. Comment celui-là? T'as aucun goût. Bon, quoi, moi, je le trouvais pas mal. On dirait un ver de terre à côté de Jack. Bon, et puis Hélène, tu vas pas te casser le cou quand même à regarder la porte toute la soirée, je te dirai quand il arrive. Mais non, mais je pensais pas à ton chéri, je pensais aux garçons. Ne t'inquiète pas pour eux, à mon avis, ils sont tranquillement dans la chambre en train de réviser leur cours. J'espère. Ouais. Ah, les filles, bougez pas, il est là. Ah ouais, pas mal. Eh, hey, il est même très bien. Bonsoir, Lali. Bonsoir, Jacques. Je te présente mes deux amis qui sont venus prendre un verre avec nous. Enchantée. Bénédicte. Bonsoir. Bonsoir. Et Hélène, ma meilleure amie. Bonsoir, Hélène. Bonsoir.